Dina. Jesse. Faites la guerre, pas l'amour. Tiens, regarde Joël. C'est ton préféré. Dina, Jesse. Ils sont où tous les deux? Elle a eu une sale nuit. Même l'eau ne passait pas. T'aurais dû me réveiller. Elle est enceinte. Je comprends pourquoi t'es ici. Mais il faut qu'on la ramène. Elle a besoin de soins et elle sera pas capable. Oui, je sais. Je sais. Mais je peux pas abandonner Tommy. Il est ici à cause de moi. Tu pourrais peut-être la ramener. Elle partira jamais sans toi. On s'en tape. On va chercher Tommy. L'aquarium dont cette fille t'a parlé. On n'aura qu'à attendre là-bas. Jusqu'à ce que Tommy trouve Abby. Et ça te gêne pas de laisser Dina toute seule? Ce sont ses ordres. Ok. On va lui dire qu'on part alors. Je te rejoins devant. Ouais. Salut. Salut toi. Tu viens de fermer la porte. Ok. En route. D'après ta carte, l'aquarium est sur la côte. Ça devrait être par là. Ouais. Comment on fait pour rester au sec dans cette ville? Tiens, viens m'aider. Ok, vas-y. Ok. Merci.
merci. Qu'est-ce que t'as dit à Dina ? On espérait trouver Tony à l'aquarium. Je lui ai pas dit que tu savais. Si c'est ça que... Non, c'est bon. L'aquarium, c'est une base Wolf ? Non, je crois pas. Nora a dit qu'Abby se cachait là-bas. Elle t'a dit pourquoi ils avaient fait ça ? Ouais. Joël s'est brouillé avec des lucioles. D'anciennes lucioles, maintenant. Ah ouais ? À cause de quoi ? Ils faisaient du trafic avec eux. Et ils se sont engueulés à cause de... la marchandise. Une bagarre a éclaté, il y a eu des morts. Je suppose qu'ils ont voulu se venger. Merde. Ça change quelque chose pour toi ? Non. Au fait, j'aimerais bien mettre une chose au clair. On aura trouvé Tommy. Tu seras d'accord pour rentrer ? Ouais. Et tu laisseras quelques-uns de ces enfoirés en vie ? Il faut que Dina rentre à Jackson. Ok. On est d'accord. Merde. C'est bloqué. Tu crois qu'on peut couper par le centre de congrès ? On peut essayer. C'est coincé ? Ouais. Bon, c'est pas la peine. Je te l'avais dit. Je vérifiais, c'est tout. Je crois qu'ils vont foutre la merde à Jackson après ça. Hein ? Comment ça ? Ah bah, on aura buté pas mal d'entre eux. Et dans leur ville. Oui, mais c'est de leur faute. Mais Abby et ses potes sont pas venus à Jackson à cause d'un truc qu'a fait Joël ? Mais ici, c'est pas comme Jackson. Joël et Tommy ont aidé Abby quand elle s'est fait attaquer. Eux, ils essaient de buter tout le monde autour d'eux. T'as bien vu, ils t'ont tiré dessus sans hésiter. Ouais. C'est vrai. Ok. Ah.
Dis-moi juste. Pourquoi elle m'a rien dit? Pour le bébé. Écoute. Je suis sûre qu'elle t'en parlera quand. Qui t'a dit ça? Le chef en personne. On s'assure que la voie est libre, on attend le reste des unités et on lance la sauce. La dernière fois. Il se fera pas. On a tous le coup. Et voilà le travail. C'est Wolf. Ils ont la gâchette facile. Ils sont en guerre contre ces fanatiques à la con. Je les ai entendus en parler. Des séraphines, un truc comme ça. Séraphites. Moi, je les ai entendus les appeler Scar. T'en as croisé? Non. T'as de la chance. C'est quoi le délire avec ces affiches? Tout ça, c'est des comics. Attends, c'était quoi cet endroit? Un rassemblement de gens qui aiment ce genre de trucs. Des gens comme toi, quoi. On n'est pas nés à la bonne époque.
Qu'est-ce que tu disais tout à l'heure au sujet de Dina? Tu m'as dit qu'elle me le dirait quand... Quand tout sera réglé ici. Il y a un moment où ça va être difficile de le cacher. Elle t'a dit si elle comptait le garder? Non. Il est juste à côté de la grande roue. J'espère que Tommy a les mêmes infos. Et merde! Va falloir y aller à la nage. On va où maintenant? J'essaie de voir ça. Tu crois que tu peux te glisser là? On va voir. Je t'aurais suivi, tu sais. Si tu m'avais dit que tu partais. En fait... Je pensais que tu trouverais l'idée stupide. J'aimais beaucoup Joël. C'est dégueulasse ce qui lui est arrivé. Je serai venu. Joël t'aimait beaucoup aussi, tu sais. Il pensait que j'avais un faible pour toi. Ah bon? Ben... T'es... plutôt pas mal comme mec, mais... pas vraiment mon genre. Quoi? T'es pas des Asiates? Ouais, c'est ça. T'as tout compris. Bienvenue en enfer. Le sang est tiède. Viens, on retourne dans la rue. Ouais.
On l'a eu! Regardez s'il reste des survivants! C'est du sérieux cette tempête? Ça doit pas être facile de naviguer par ce temps. Et moi, je pense bien être le premier à débarquer. T'inquiète, il y en aura assez pour tout le monde. Ça se complique sur l'échafaudage. C'était le dernier. Ouais. Finalement, Jackson, c'est pas si mal que ça. C'est clair. Thank you.
Hey, je crois que c'est par là. Je suis sûr qu'Abby a choisi l'aquarium pour entrer, parce que c'est chiant d'y accéder. Peut-être. Putain. Comment on va faire pour traverser? On pourrait prendre cette route. Mais putain, ça fait long. Sinon, il y a ça. Ouais. Ça, c'est mieux. Bien. Par là. On va essayer par là. Alors c'est quoi le plan? On bute ces types, on leur fauche leur bateau? On prend le bateau, ça c'est sûr. Le reste, ça dépendra de ce qu'ils font. J'espère qu'ils sont pas nombreux. Bordel. Je le crois pas. Par ici, dépêche. Un coup de main? Merde. Au 4, direction la marina, par le pont. Nous, on reste ici, en attendant les ordres. Oh, on est censé attendre ici pendant que les caramis sont descendus. Les ordres sont clairs. Ils sont bien assez nombreux pour se débarrasser. Thank you.
Putain de merde. Ellie. On peut accéder à la marina par là. Non, on prend le bateau. Tu les as entendus, ils parlaient de Tommy. On n'en sait rien. Qui ça peut être d'autre? Même si c'était lui, on pourra jamais le rejoindre à temps. Son but, c'est de retrouver Abby, alors on n'a qu'à suivre. Et si jamais il est dans la merde? Il sait se débrouiller tout seul. J'y crois pas. La meilleure façon d'aider Tommy, c'est de trouver Abby. Je viendrai pas te sauver encore une fois. J'espère que tu vas t'en tirer. On a eu notre lot de surprises pour aujourd'hui.
devant. Le bateau. Come on.